Yo les morues, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, en fait j'ai pas d'excuses. Bref, et comme je sais jamais trop quoi vous filmer, bah je me suis dit tiens, je vais vous raconter ma life. Et après j'ai rien à raconter. Donc je vais vous montrer ma journée. Vous allez voir, je fais toujours des trucs intéressants, de ouf. Et je vous montre la belle Normandie aujourd'hui. Donc là je vous montre une de mes potes, Lilith. Normalement, si vous m'avez sur TikTok, si vous m'avez pas, bah allez voir, vous saurez qui c'est. Et là, moi, je suis là, je me sens comme une frite dans une barquette de patatos. Bon, du coup je vous montre un peu, on est trop fan de la nourriture asiatique. J'espère que vous m'entendez bien, sinon désolé. Et bref, là j'ai acheté ça, une canette, c'est du mangosteen. Je sais pas trop ce que c'est, mais on va goûter. On va acheter plein de trucs, je vais vous faire un petit bon tour du magasin. Marché quand j'ai filmé, montre-moi ce que t'as acheté. Je sais pas si vous connaissez ça, des petits gâteaux au soja. Thiago, il adore ça. Ouais, moi j'aime bien. Kevin. Vous en pensez? Je suis en train d'acheter des nouveaux vêtements. Bon, de toute façon, j'aurais déjà acheté d'ici là. Coca-Cola. Et là, regardez celui-là. Attendez. Il a... Tu remercies une scène dessus. Je kiffe trop, je vais le prendre celui-là. Je vous ferai un petit haul au pire. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Du coup, j'ai été à Bisbee. Vous savez, maintenant, on doit tous porter le masque obligatoirement. C'est con. Tu peux pas sentir ce que t'achètes. Bisbee, n'importe quoi. Lush. Pas grave, je mettrai un petit astérix. Faut pas sentir ce que t'achètes, sinon t'as 35 euros d'amende. Connasse. Comment tu fais? Comment tu fais? On se retrouve du coup dans ma chambre maintenant. Voilà, c'est la fin de la journée. J'ai acheté pas mal de trucs et je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que je trouve que j'ai acheté des trucs trop d'art. Des vêtements et un truc chez Lush. Vous avez peut-être vu dans le titre, je sais pas si j'ai mis entre parenthèses. Là tout de suite, j'ai pas encore écrit le titre. Bref, on s'en fout. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans ma journée. J'ai pas fait énormément de trucs, j'ai fait quelques magasins de vêtements, j'ai fait Lush. Dieu merci, j'ai résisté aujourd'hui, j'ai pas été Yves Rocher. J'ai fait travailler ma volonté. Et du coup, j'ai acheté ça. Donc du coup, c'est un déodorant solide, je vous disais, de chez Lush. Hop, il est, quand vous le voyez de près, c'est comme ça. Donc je vous pose dans ma main un peu pour que vous puissiez voir. C'est quand même assez gros, la dame m'a dit que ça allait durer longtemps, mais elle n'a pas précisé quand. À savoir que... C'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant. Genre, ça va sentir bon, mais ça t'empêche pas de transpirer. Et là, j'ai dit, ouais, mais pourquoi? Enfin, ça me paraît bizarre. Et elle me dit qu'en fait, les antitranspirants, ça abîme les glandes sous les aisselles ou je ne sais quoi. Donc, bon, découverte de l'année pour moi. Bref, on va tester ça, je vous dirai si c'est bien. Vous avez qu'à me suivre sur Instagram, je vais vous mettre mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller me suivre et je vous ferai un petit update. En plus, attendez, je vais chez... Mais ça, je vous l'ai déjà dit juste avant, du coup, mais je vais chez Lush. J'enlève juste un peu mon masque, genre je le mets là pour sentir les produits. Elle me dit, votre masque s'il vous plaît, c'est là. J'ai dit, ben, comment je fais pour sentir les produits? Elle me dit, oui mais c'est le masque obligatoire, c'est 135 euros d'amende. Et du coup après j'ai acheté des petits vêtements. Alors, j'ai été à Bisbee aujourd'hui et j'ai acheté ça. C'est un t-shirt Coca-Cola et j'ai trouvé ça trop beau. C'est un peu le style, vous voyez, un peu américain, le footballeur américain. Du coup, je me suis trop imaginé un footballeur américain et tout, ce que... Clac, super musclé, tout ça. Clac, attends, je vais le mettre. Bah, vous l'avez déjà vu, je suis con, je le mets pas. Ce qui est cool, c'est qu'il y a certains magasins de vêtements où on peut encore faire les essayages parce que ils ont un espèce de fer à repasser. C'est pas un fer à repasser, c'est un truc qui jette de la vapeur et ça permet de nettoyer les vêtements d'une utilisation à l'autre. Bref, en tout cas, j'ai acheté ça après chez H&M. Je suis pas encore sûr de si... Avec quoi je vais le mettre. C'est une chemise. Hop. Là, vous voyez bien. Elle est jolie. Hein. Ça fait... Ma mère, elle aime pas trop. Bon. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît, sur les vêtements que j'ai choisis. Après, si ça vous intéresse, du coup, ça, c'est du H&M. Le t-shirt Coca-Cola, c'est BSB. Je vous mettrai dans la description. Là, un petit t-shirt tout simple. Mais j'aime bien avoir des t-shirts comme ça, j'en ai un peu bordeaux que j'ai acheté il y a longtemps. Et au final, bah, j'en ai retrouvé un comme ça. Bisbee aussi. En plus, j'ai pas payé ça cher.
Je payais ça 12 euros. Ça vaut le coup, je trouve que c'est mignon, ça va avec tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en ai jamais parlé, mais j'adore la série Les Simpsons. Et là, j'ai trouvé un petit t-shirt, je vous l'ai montré. Il y a Homer Simpson là, et j'ai trop kiffé. Mais bon, ça fait peut-être un peu enfant pour aller au travail, mais à la limite... Why not, hein? Je me dis, bon... C'est discret, c'est pas comme si j'avais... Marge Simpson, en gros, ici, là. Je vais me mettre plus près. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait, H&M. C'est encore un pull rose, avec le visage de Lisa Simpson dessus. Et j'ai trop rigolé, en fait, quand je l'ai vu, parce que je me suis dit, mais... C'est grave moi le lundi matin quand j'arrive... Attendez. Quand j'arrive au travail le lundi matin, j'ai la même tête, genre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un gros sweat à capuche, en fait. C'est donc la fin de cette vidéo, ce petit haul, on va dire. Ah non, j'ai oublié un truc, putain. Donc, le clou du spectacle de ce petit haul, je cherche depuis un an un blouson jaune. J'ai pas trouvé de blouson jaune, mais... Roulement de tambour. J'ai trouvé une petite veste jaune. Alors ça fait un peu breton qui va à la pêche ou sur un bateau. Bah, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Ça fait très breton, mais j'adore. Regardez cette poche là. Est-ce que j'arrive pas à ouvrir? Ah, il y a un bouton. Je trouve que ça me va bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En plus, il est léger, il est pas trop gros, mais en même temps, il a l'air imperméable, donc c'est cool. C'est du coup la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est un espèce de petit haul pour des trucs de la rentrée. J'adore cette veste-là. Franchement, c'est vraiment un des coups de cœur de ce que j'ai eu aujourd'hui. Et puis ça, là, pour... le déodorant solide, bah je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram en tout cas, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Suivez-moi aussi sur TikTok, je fais un peu plus de TikTok maintenant, j'essaie de me diversifier, je fais aussi des TikTok avec mon copain. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, laissez-moi un commentaire si la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, likez, partagez-la, ça fait plaisir et plus de personnes peuvent la voir. Rejoignez-moi sur mes réseaux et moi je vous dis à plus.